Wesh les frérots, on est de retour avec Oliver, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour la suite de l'aventure en mode Taximan. La dernière fois on s'est laissé avec l'autre là, je sais pas comment elle s'appelle encore là, la meuf là, qui m'a proposé un truc, qui j'ai son mec là, son crush. Donc je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. T'es inscrit aussi sur Tinder, donc on va aller voir si on a eu des matchs ou pas. Sinon bah rip notre vie. Déjà dans un premier temps, si vous kiffez toujours cette série et que vous voulez plus de vidéos plus rapidement, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Et voilà quoi les frérots, ok? Ça va m'encourager et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez des idées ou donnez vos avis comme d'habitude. Ok les frérots, par contre aujourd'hui les gars, je voulais un petit peu me renseigner aux côtés de la LCPD, la police. Parce que oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on voulait tester. Mais je vous dis juste, entre guillemets, hein, c'est juste tester la police en fait. Vous vous rappelez, le but de cette série, c'était de tester le plus de métiers possibles qu'on n'a jamais vraiment fait. En mode vraiment, en mode RP. Et c'est vrai que la police, on n'a jamais fait vraiment. Et je me demande si ça serait pas cool juste de tester. On fait peut-être pas beaucoup de temps, hein. Et voir comment ça va être en fait. Je sais pas, je suis curieux. Déjà, dans un premier temps, on va regarder notre téléphone. On allume notre téléphone, bien sûr. Ah ouais, regardez le batterie. Wow, wow, wow. Venez, on va charger notre téléphone d'abord. Parce que sinon, on rip notre vie. Hein. On va prendre notre taxi ici. Et après, on va essayer de contacter un flic aussi pour essayer de prendre des renseignements. Comment ça se passe pour être policier. Histoire d'essayer, les gars. Je sais pas. J'ai jamais fait de ma vie vraiment policier. J'ai jamais poussé le truc. Hey. C'est quoi ça? Comment ça? C'est quoi cette tenue? Je vous permets pas, voyons. Je suis SDF pour l'instant. Écoutez, c'est. Bonjour, Oliver. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Ah, elle m'a confondu avec quelqu'un, je crois. Hey, comment tu t'appelles encore? Ça, comment je m'appelle? Peterson, non? Sarah. Ah, bah, d'ailleurs, j'ai un appel là. Je vais tout de suite travailler. Hop. Vas-y, pas de problème. Et mon salaire, c'est pour quand? Oui, bonjour, monsieur. Pourrais-je avoir un taxi, s'il vous plaît? Oui, envoyez-moi votre position sur le GPS, là, sur le téléphone, et j'arrive. D'accord. Ah, tout de suite. Sans salaire, j'ai bien travaillé quand même. Et moi, en une journée, j'ai fait une semaine. Écoute, voilà ce qu'on fait. Calcule toujours bien tout ça, et moi, je vais travailler encore un peu aujourd'hui, on voit en fin de soirée, sinon. Comme ça, je vais bosser encore aujourd'hui. Tu fais ton travail d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et dès que tu prends ta fin de service, tu m'appelles et je te donne ta paye, ok? Par contre, l'autre Sarah, là. Voilà, c'est Sarah. Je fais la blacklist du taxi. Ah ouais, elle a foutu la merde. Et c'est un fou la merde, cette femme. Tu peux pas parler sans qu'elle t'insulte, c'est trop. Elle me fait perdre mon temps, elle me fait perdre mon argent. Il faut que je te raconte un truc après. Et là, je peux pas t'en parler maintenant. Elle m'a dit quelque chose. Ouais, ouais. Je pouvais pas te faire ça. Je devais t'en parler parce que t'es un pote, tu vois. Or, c'est vrai, j'ai pas D'accord. Un rond. Je te dis vite en deux, là. La meuf, elle m'a proposé 2000 euros si je lui propose de faire un date avec elle pour te rendre jalouse. Pour te faire un prank, apparemment. Vraiment? Oui, je te jure. Attends, deux secondes. Allô? Salam alaikum. Ça va, mon ami? J'ai besoin de taxi. Écoutez, monsieur, je vais récupérer un client et après, je vous récupère au passage avec, ok? Envoyez-moi toujours votre position. Je fais au plus vite. Ok, ça marche. On en parle après, comme ça, je vais aller travailler un peu. Méfie-toi d'elle, c'est une manipulatrice, j'ai l'impression. Je pose après quand on a un peu de temps parce qu'on a des choses à se dire et je sais que t'es un bon, ça se voit, tu vois. Ouais, vas-y, pas de problème. Attention les filles, je vais sortir mon taxi. Ah, cool. Ah, c'est Sarah, tu t'appelles, j'avais oublié, c'est bon. Ouais, mais te souviens pas de mon prénom, s'il te plaît. Comment ça, je me souviens très bien de ton prénom. Non, attention, il faut se méfier de moi, hein. T'es derrière la porte. Bref, sors ton taxi, s'il te plaît, j'ai besoin d'un taxi. Ouais, mais j'ai déjà des clients, désolé, mon ref. Maros, excuse-moi. Ah ouais, le respect. Ouais, on en reparle, Sarah, ok? Ouais, t'inquiète, Oliver, ouais. Ah, mais c'est pas ce que tu crois. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est bon, allez, on s'appelle. Ouais, je suis débordé. Merde, il nous a écouté, la connasse. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Je crois que vous êtes taxi. Pour l'instant, j'ai déjà des clients, mais soit vous appelez un autre collègue, soit vous patientez. Non, patientez. Ah, j'ai deux clients à récupérer, hein. Donc n'hésitez pas à appeler d'autres taxis toujours. Allez, bye. D'accord. Ok, là, j'ai un premier client. Je vais aller voir. Tac. Non, mais il est sérieux là? C'est qui ça? C'est qui est l'autre bout du monde là-bas là? Ouais, je vais péter les plombs. Oui, plus vite. Ouais, là je prends la route, j'arrive. Là je fais au plus vite. D'accord, pas de soucis. Merci, à tout de suite. Les gars, je suis débordé. Là, j'ai encore des appels. Là, j'en peux plus. Oui, allô? Ah, allô? Oui. Ah, désolé, je voulais t'envoyer la position. Ouais, envoie-moi la position parce que là, je vais un peu loin là. Ça m'était sur ma route, je te récupère avec, tu vois. Moi, je suis au magasin des chats là. Oh, je dois charger mon téléphone au passage. Vas-y, ben, je t'attends alors. Écoute, je récupère le mec et je viens à la chatte. Oui, voilà, tu m'as compris. Comment ça? Ouais, au chat là. Je fais au plus vas-y, vite. Vas-y. Allez, mon ami, au revoir. Vas-y, c'est bon, vas-y. Les gars, je suis débordé. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot à se faire. Hein. En tout cas, ouais, beaucoup de personnes m'ont dit l'idée de la station, l'entreprise, ça peut être incroyable, mais ça c'est un projet pour plus tard, pour le futur, parce qu'il faut avoir un peu d'argent, hein. Faut avoir pas mal d'argent pour ouvrir son entreprise, vous voyez. Putain, la Sarah, je crois qu'elle m'a entendu, il faut que je préviens Zach là. D'où elle écoute derrière les bureaux comme ça, je vais péter les plombs. Un nouveau message est arrivé. Écoute-moi bien, je t'avais proposé 2000$ pour lui faire un prank, qu'au final je lui avoue que je ressens, sauf que tu as déformé mes paroles. Putain, j'aurais pas dû parler dans le bureau. Elle nous a écouté, voilà. Comment on va faire? Je suis foutu dans la merde là. Après, moi, on va me virer, tu vois. Je peux pas faire des trucs comme ça, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi j'ai pas fait, les gars. Ça commence fort la journée, les frères. Mais au moins, on a des trucs à faire. Et il faut absolument qu'on se renseigne à la police après. On finit ces deux clients. Et après, je vais aller à la SPD. Et je vais me renseigner. Ah, il est là, le monsieur. Bienvenue, monsieur. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu long hein, parce que vous étiez à l'autre bout là. Bien, m'excuser pour ça. Ouais, ça va coûter un peu cher, mais c'est pas grave. Hein. Je vais essayer de vous faire un prix, ok? Ah, merci beaucoup. Vous avez l'air très
sympa. Je dois aller récupérer quelqu'un, ça vous dérange pas? C'est pas de soucis. Okay. Et après, vous voulez aller où? Deux secondes, je réponds. Allô, Sarah, écoute-moi, j'ai stressé, j'ai paniqué l'autre fois quand tu m'as dit ça. Tu sais pourquoi? Attends, deux secondes. Non, attends, deux secondes. Non, mais écoute-moi, l'autre fois quand je t'ai demandé de venir là, t'es pas venu quand je t'ai dit viens, on va discuter en face à face. C'est pour ça. J'ai attendu longtemps, je te jure. Bref, donc tu peux pas me dire que c'est ma faute. Je vais t'envoyer une pause, ok? Écoute, là, je peux pas, j'ai deux clients. Après, si tu veux, ok? Moi, je peux pas travailler mon ami, tu vois. Non, non, mais... Comment ça? Juste, tu vas te calmer, hein. Juste... Commence pas à tchitch avec moi. Ouais, écoute, je suis désolé si j'ai foutu la merde. J'ai peut-être mal compris, tu vois, mais j'avais peur de me faire virer. Allô? Oh, la pétasse, elle a raccroché. Ah, purée. Ah non, elle est toujours en ligne. Merde. Allô? Ah, je t'entends plus. Allez, salut, hein. Connasse, va. C'est ce qu'on appelle une courbe. Ah, mais monsieur, désolé, hein, bah, c'est une meuf qui fout un peu la merde. Vous voyez, donc, faut faire attention à qui vous fréquentez dans cette ville, ok? Les meufs des manipulatrices, hein. Attention, monsieur. Pas de soucis, pas de soucis. Sinon, vous êtes longtemps dans cette ville? Ouais, je viens d'arriver il y a pas longtemps. Je commence le boulot, quoi. Pareil pour moi. Surtout, parlez aux gens. N'hésitez pas à parler. Le fait de parler. Waouh, magnifique ce tunnel. Bien sûr. On oui, passe très, sous l'eau, là. Beau. Non. Incroyable, les gars. Si, on passe sous l'eau. Ah oui? Je vous assure. Ah, oh, il y avait pas ça chez moi à Saint-Pétersbourg. Excusez-moi, j'appelle quelqu'un. Allô, salam alaikum. Oh, j'arrive là, je suis à la route là. Ouais, bah t'es lent. Toujours au 4 cafés? Sur Trivago là, je t'enlève des points là, ça va pas ou quoi? Mais comment ça? Bah, vous t'avez qu'à appeler un autre taxi, mon ami. Bah, vas-y, j'appelle un autre taxi. Non, mais j'arrive, c'est bon, j'arrive. Raccrochez, j'ai un autre appel. Désolé, je suis débordé. Hein. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, j'en peux plus, monsieur. Ah, c'est dur, hein, la vie. Les gars, j'en peux plus. Oui, allô, oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, dites-moi. Ah, bah il a raccroché. Ah, bah c'est d'accord, c'est spécial. Hein. Et c'est tous les jours beaucoup d'appels comme ça. Ouais, y a pas que moi, tous les collègues. Y a tellement de gens qui ont besoin de taxi, monsieur. Je vous explique même pas. Ah, oui, oui. En tout cas, vous conduisez très très bien. Merci beaucoup, monsieur, du compliment. N'hésitez pas à me parler à vos copains, vos amis et à me mettre 5 étoiles, ok? Oui, 5 étoiles. Même 10 si je pouvais. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour, monsieur, c'est vous? Bonjour, monsieur. Désolé du retard parce que je suis parti récupérer quelqu'un loin et. Par contre, et l'insulte, c'était une option ou c'était quoi ça? Je vous ai pas insulté. Ah, quoi? Si, vous m'avez insulté. Excusez-moi, monsieur, c'est peut-être on s'est mal entendu. Ah, c'est pas de souci. Venez avec moi, je vais charger mon téléphone, comme ça on voit où est-ce qu'on doit y aller et tout. Ok, ça marche, ça marche. Monsieur, vous voulez aller où, vous, monsieur Chauve? Ah, d'accord. J'aimerais aller dans un magasin de vêtements si possible. Pas de souci. Et monsieur, vous voulez aller où? Ben, en fait, je connais pas, du coup, vous allez me montrer les endroits phares de cette ville. Oh, par contre, je suis pas chauffeur privé, hein. Je suis juste taxi, je dépose un point A au point B, après vous, voilà. Ah, ok. Hop là, je pose mon téléphone, on charge. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Moi? Ouais. Moi, je suis un entrepreneur. Ah, c'est bien ça. Ouais. Écoutez, j'espère que vous allez réussir dans cette ville, en tout cas. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller louer un véhicule, ou je sais pas, faire un truc comme ça. Sinon, je vous dépose à un concessionnaire et vous renseignez un petit peu comment ça se passe. Ouais, c'est vrai, il me faudrait un véhicule, c'est vrai, vous avez raison. Bah ouais, pour vous déplacer. Que moi, je fais pas, si vous voulez me réserver pour toute la journée, ça va être difficile, vous voyez, je suis trop débordé. Ouais, je comprends. Surtout, vous avez beaucoup d'appels, là, depuis tout à l'heure. Ah, mais demandez-le, monsieur, j'en peux plus, hein. Ah oui, oui, hein. J'ai vu ça. C'est ça. Ah, c'est bon, allez, on y va. Allez. Et vous avez quel âge, monsieur le taxi? J'ai 21 ans. Et vous? Ah, bah moi, j'ai le double, 42. Oh, ah, je vous vois, alors, excusez. Pas de soucis. Il faut que je vous vois. Vous me manquez de respect, vous savez que... Vous savez qu'est-ce que j'ai vécu, moi? Vous savez ou pas? Monsieur, excusez-nous. En fait, dans mon taxi, on est tous, voilà, c'est familier, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour vous manquer de respect, au contraire, je mets les clients à l'aise. Vous êtes ici chez vous, tout ce qui se passe ici reste dans le taxi. Personne ne saura. Là, vous me dites, vous avez tué quelqu'un, personne ne saura, ça restera dans le taxi. Non, je fais de la guerre. Ah oui? Ah oui, oui. Et du coup? Contre les Tchétchènes, ils m'ont capturé, je suis parti dans le goulag. Ouh là 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 là. Attendez, excusez-moi. Hein. Allô, bonjour? Oui, allô, oui, bonjour. C'est pourquoi? Parce que là, je suis actuellement avec deux clients déjà. Vous êtes où actuellement? À l'hôpital. C'est pour aller où? Au Galaxy. Ah, c'est juste à côté. Mais écoutez, je finis avec mes deux clients et je viens à l'hôpital. Ok, ça marche. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, je vais essayer de faire un peu plus vite. Je suis désolé. Hein. Oui, pas de soucis, monsieur. Je comprends. Vous êtes quelqu'un d'occupé. C'est ça. Regardez, deux en un. Il y a le concessionnaire, le magasin de vêtements. Oula, un autre numéro qui m'appelle, mais j'en peux plus, frère. Merci beaucoup. Attendez, j'arrive. Je réponds juste à et on fait les factures. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est pour un taxi? Oui, merci en beaucoup, fait, je suis juste devant l'hôpital et il y a quelqu'un qui a noyé son téléphone et il y aurait besoin d'un taxi. Justement, dans un instant, j'arrive à l'hôpital. À tout de suite. Très bien, merci à vous. $200, c'est bon pour vous? Oui. Et je vous fais un prix 150. Ok, ça me va. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une excellente journée et un C4. Merci beaucoup. Y a pas de souci, monsieur. Ah, monsieur, oui. Je vais vous faire la facture. Vous, ça va être $50. Quoi? Le monsieur a payé 150. Hein. Vous, c'était quoi, juste ici. Hein. Ça va, c'est un bon prix. T'es malade ou quoi? Mais c'est toi, t'es malade. Tu t'embrouilles avec ton client en plus. Mais toi, t'es malade. Je vous fais un prix 25, en plus. 25. Non, allez-y. Arrêtez. Ok, 50. Mais alors, on fait un TikTok ensemble.
Allez, okay, on fait un TikTok, okay. Comme ça je vais percer. Ok, ok. Voilà, vous avez reçu là normalement. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai reçu là. Ok, c'est bon, je crois. Merci beaucoup, monsieur. Moi je vais aller à l'hôpital. Ah ouais, faites votre TikTok parce que là je dois y aller. Ok, les gars, je suis avec le meilleur taxi, Oliver Winters. C'est bien ça, monsieur? C'est ça. Si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas. Oliver Winters pour vous servir. Voilà, voilà. Taxi très rapide. C'est comme le McDo. Venez comme vous êtes. Tout ce qu'il vous disait dans mon taxi, ça reste entre nous. Bon, allez, hein. Vas-y, vas-y. Allez, désolé, je suis débordé. Allez, direction à l'hôpital. Putain, j'en peux plus, les gars. Après, on va faire une pause, hein, parce que, ouais. Là, ce qu'on va faire pour pas faire que du taxi, s'il y a des flics disponibles, je vais appeler un policier pour me renseigner un petit peu. Police active, Melissa Brown. On va appeler et on va lui demander un rendez-vous pour se renseigner un petit peu. LCPD, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Alors, madame déjà. Oui, madame, excusez-moi. Je vous appelle parce que je voulais me renseigner un petit peu. Si possible, se donner un petit rendez-vous. Peut-être, j'aimerais bien me lancer dans la police. Juste avoir un peu de renseignements. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce possible? Ouais, bah, venez directement au poste. Je finis deux petits clients et après, j'arrive, c'est bon? Y'a pas de soucis, je suis là. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, parfait. Et on arrive à l'hôpital. Oh, bonjour. Alors, madame et monsieur, c'est pour aller où? À la fourrière, s'il vous plaît. Ok, parfait. Monsieur Deya, vous, c'est pour aller où? Pour aller au réparateur de téléphone. Ok, ok, parfait. On passe juste à côté après. Faites quoi dans la vie sinon? Moi, je travaille au Galaxy qui va bientôt ouvrir. Je suis la patronne. Galaxy, c'est quoi? C'est une boîte de nuit. Ah, intéressant. Bah, ça ouvre demain soir. Si vous voulez passer, n'hésitez pas. Hein. Y a Adonis qui est derrière, donc qui est avec moi. Et lui, c'est un de mes employés. Et là-bas, il va faire le DJ. Ah ouais, la musique, c'est très important. Hein. Du coup, vous ouvrez demain. Bah, je vous souhaite de la réussite. Hein. En espérant que vous allez aller loin. Hein. Bah, j'espère aussi. Hein, ça serait bien. Si jamais vous cherchez un petit vigile, bah, juste pour la nuit, en quoi. Intérim, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Oui, voilà, intérim. Exactement. Je peux aider. Je cherche du boulot, justement. Et voilà. Bah, vous me donnerez votre numéro de téléphone. Et puis, oui, je verrai si jamais il y a besoin. Je vous appelle. C'est ici, je crois. Nous sommes arrivés. Hein. Oui, c'est là. Alors, je vous fais la facture. Créer facture. Pareil, je lui fais 50 balles, hein, les gars. Et voilà, vous avez reçu sur votre téléphone, là, normalement. C'est payé. Voilà. Parfait. Vous allez prendre mon numéro. C'est Oliver Winters, moi. Désolé, j'ai oublié de me. Oliver Winters. Eh ben, je suis Eva Castro. Enchantée, Eva. Et enchantée. Parfait. Aussi. Merci beaucoup. Y a pas de souci. N'hésitez bon pas. Bon courage à vous. Et allez, à vous aussi. Bon courage pour demain. Au revoir. Merci. Monsieur, on y va. Allez, montez. Faites quoi dans la vie, vous, monsieur? Moi, je suis boueur. C'est un peu la galère en ce moment. Ah, j'ai commencé par ça. Hein. Essayez de vous aller ailleurs un peu, renseigner, parler à des gens, essayer de trouver un vrai métier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je voulais aller au 4 cafés, mais ah, ouais. Pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse. Allez-y, je vous attends. Ah, les gars, ça se passe, hein. Ça fait plaisir. Et là, si on regarde nos factures, factures de la société. Il y en a, ils ont pas payé. Allez, on y va. Wesh les gars, c'est Lexi. Tout va bien, monsieur? Je crois reconnaître ces personnes. Ouais, je vais y aller, vaut mieux pas. La vérité, je suis pas prêt d'aller voir Lexi là. Les frérots, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Enjoy Life Waitlist, si vous êtes intéressé, c'est dans la description. Là, actuellement, on est 111 sur le serveur, ça fait plaisir. Le serveur, il tourne bien, on est sur Liberty City. On fait les whitelists souvent. Si vous êtes majeur, vous avez un bon RP, allez-y, venez, vous êtes les bienvenus. Allez, j'ai encore un peu du mal avec les routes d'ici parce que je venais d'en France, moi, c'est pour ça. T'es ici? Oui, ici. Ok, parfait. Merci. Bah, je vous fais un petit prix au lieu de temps, je vous fais 50, vous voyez, je vois que c'est la galère pour vous. Vous avez 24 heures pour régler la facture. Et moi, je vous conseille de payer maintenant. Moi, vous avez pas de problème, hein, quoi. Il fait 50 aussi. Hop, parce que c'est la galère. Là, vous avez reçu sur votre téléphone. Bah, je la payerai après parce que là, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Pas de soucis. Voilà. N'oubliez pas, monsieur. Ouais. Allez, au revoir. Merci. Direction au Comico pour se renseigner. Les frères, je vous en supplie, donnez-moi vos avis là. Est-ce qu'on se lance? Après, vous allez me dire, mais taxi, c'est bien parce que t'as beaucoup d'interactions. Mais flic aussi, hein. Après, on peut faire un concept, hein. Je sais pas, c'est pour tester aussi, tu vois. Trop curieux. Ça fait plaisir d'avoir du monde comme ça sur le serveur, vraiment. Les gars, regardez la statue de la liberté. Il faut qu'un jour, on va le voir, ça. Pour la nostalgie. Aïe, aïe, aïe. Comment on se retrouve, mon ami? Ah, mon ami! Comment allez-vous, mon ami? Ça va super, j'aimerais bien être policier. Ah, moi aussi, je suis venu. J'ai rendez-vous avec une dame. Ah, je crois que c'est elle là-bas, là. C'est avec vous? Oui, du coup, je souhaiterais me faire recruter, si vous. Mais non, mais c'est trop. Tu me stalks, c'est pas possible. Mais c'est toi, j'étais là avant toi, mais toi, t'es fou, toi. Alors, je vous prierai de ne pas vous bagarrer sur le parking. En fait, voilà, moi aussi, je veux me renseigner, c'est tout. On peut rentrer et nous expliquer un peu comment venez, ça se passe. Venez. Ouais, en fait, j'aimerais bien me renseigner. Voilà, j'aimerais, en fait, me lancer un peu dans. Voilà, se protéger les citoyens, etc. Je voulais juste me renseigner qu'est-ce qu'il faut, les compétences, etc. Les diplômes, etc. Vous voyez. Bah, il vous faut. Le diplôme de sortie d'études. Moi, je l'ai un petit peu. Pas avoir fait, comment dire, une grosse université ou quoi que ce soit. Ce qu'il vous faut, pardon, réellement, c'est de la rigueur, du courage, un peu de savoir-faire. Il faut savoir être à l'écoute, être discipliné. Pas avoir de casier parce que sinon c'est niette directement. Tout dépend également de ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voudriez rejoindre le SCPD par exemple? Tu veux commencer ou? Non, je commence. Moi, c'est afin de défendre la ville car je vois cette ville, elle a beaucoup de cruauté et moi vraiment ça me dégoûte. C'est là où je suis né. Cruauté. Je veux défendre cette ville coûte que coûte et voilà. Vous pouvez juste me définir cruauté? C'est ce que j'ai. Cruauté, c'est le genre. Il y a beaucoup de crimes, etc. Vous voyez? Criminalité. Ah, voilà, monsieur.
Exactement. Bon, lui, il a déjà, il part sur un mauvais pied là déjà. Monsieur ici, je vous en prie. Alors moi, ben voilà, je viens d'arriver, je venais de France, j'ai toujours, voilà, aimé, comment dire ça, protéger la ville où j'y habite. Comme j'aime bien ici, j'ai vu que en ce moment, voilà, pareil, il y a beaucoup de criminalité. J'aimerais servir, bien sûr, pas directement aller dans les grosses opérations, etc. Parce que j'y connais rien, je vais pas vous cacher. J'aimerais bien faire étape par étape, vous voyez. Si même au début, je dois mettre des PV, juste des PV, il y a pas de souci. Hein. Je veux bien commencer au bas échelle et apprendre, vous voyez. C'est pour ça que je suis venu ici pour me renseigner. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous avez besoin, et voilà quoi. Non, mais une bonne preuve de motivation de votre part. C'est rare qu'on vienne se renseigner avant de postuler dans mon service. Écoutez, moi, je vous invite à poser votre demande sans aucun souci. Actuellement, on est en plein recrutement, si jamais vous le voulez. Donc, excusez-moi, on fait des sessions de recrutement pratiquement tous les jours. À partir du moment où vous posez ça, à ce moment-là, on voit avec vous pour un rendez-vous au niveau des disponibilités de chacun. Et donc, vous allez avoir un entretien oral ainsi qu'un questionnaire, un test physique à passer également. Puis après ça, vous pouvez rentrer donc chez nous en tant que cadet. Et à partir de cadet, vous découvrez donc le métier du quotidien de policier. Vous savez, la police, c'est un petit peu comme une famille. Hein. À partir du moment où personne me chie dessus... C'est ce que je recherche justement, avoir une bonne ambiance. Et quand faut travailler, il faut travailler. Quand voilà, faut rigoler, on rigole. Voilà, on fait la part des choses. Voilà. Moi, je sais faire la part des choses et je m'investis. Là, dans un premier temps, voilà, on voulait se renseigner. Donc, il faut faire la demande et il faut passer nos tests, quoi, les physiques, questionnaires, etc. Ça, il faudra vous préparer au niveau sport parce que vous allez avoir donc des exercices autant des petits trucs comme des pompes et autres, comme de la course, comme possiblement d'un nage. Tout dépend également à quelle période vous allez postuler parce que là, je suis en train de mettre en place de nouveau la réouverture de l'académie de police qui elle permettra donc de faire des sessions de formation sur 3 jours. Ah, mais là, actuellement, on est sur des plans de formation plus rapides qui du coup durent un bon 2 heures histoire de vous former complet en test et qu'avec l'académie de police, vous verrez la plupart des choses en académie. D'accord, c'est bien expliqué en tout cas et ça donne envie, ça donne envie. Exactement. Bah écoutez, je vais préparer tout ça, je vais bien y réfléchir cette nuit. Je me décide, je fais ma demande. On va dire que c'est à 80%, mais laissez-moi juste un petit peu réfléchir et de toute façon, voilà. Moi, je suis déjà sûr, monsieur, je vais vous envoyer la candidature très peu. D'accord, bah écoutez, c'est bien de voir votre motivation. Hein. On est toujours à la recherche de bons agents justement avec qui pouvoir travailler pour protéger notre ville. Bon, mais merci beaucoup, vous êtes très gentil, monsieur. Vous êtes très professionnel. Commandant, c'est ça, ou capitaine ou chef? Capitaine. Alors, enchanté, mon honneur, monsieur le capitaine. Toutes mes hommages. Enchanté également. Pourquoi vous êtes, mes hommages? Mais pourquoi mon honneur, toi? Écoutez, je vous dis donc sûrement à très bientôt. Merci beaucoup, merci. On vous souhaite une excellente soirée. Ah, le monde est petit, hein, jamais j'aurais cru que j'allais trop croiser. Eh, écoute, moi je te propose quelque chose. Ouais. Je fais une candidature pour toi et tu me l'envoies, tu vois, comme ça. Vu que toi, tu m'as l'air professionnel. Mais on n'a même pas besoin de faire candidature, apparemment. Il faut juste faire une demande et après, c'est là on va passer les épreuves. On va aller dans l'académie, comme il a dit, et on va devoir passer nos formations. Et ça me tente, moi. Après, tu moi aussi, ça me motive, ça me donne envie. Vas-y, on passera les épreuves ensemble alors. Bonjour, monsieur, tout mon honneur, tout mon honneur. Vous allez bien? Cherchez du travail? Effectivement. Vous dites nous? Chef Sécu. Ça vous tente? Du gouvernement? $9,000 par semaine, hein? Combien? Allez, ok. Bah ok, bienvenue à nous. Non, on plus peut pas, sérieusement, on peut, monsieur, on souhaiterait aller dans la police département. LSCPD. LCPD, stop your fucking vehicle now! Je suis déjà à fond dedans. Voilà, ouais, monsieur, j'ai envie d'essayer de me lancer et... Je garde votre information. Ouais, si je cherchais une nouvelle personne, j'ai viré ma chef sécu. C'était pas trop une bonne personne, qu'on me dit. Ne pas faire confiance à Madame Peterson, hein. Madame Peterson, très bien, je vais retenir. Sarah, Ah oui. Ah, mais j'entends que du mal sur elle. Et c'est une amie à moi, et je dois la parler, là, justement. Ah oui, mais non, moi, je vous conseille pas. J'ai foutu la merde de son couple, là. Ah, mais présente-la-moi, Sarah. Je vais te la présenter. C'est quoi votre nom, monsieur? Ouais. Tu vas regretter. Moi, c'est Oliver Winter. Monsieur Winter, et je vais vous dire un truc. Elle essaie de charrouer toutes les gars de la ville. Ok. C'est ça. En fait, j'ai un patron, il s'appelle Zachary. Il voulait pécho, les deux, voilà. Et en gros, la meuf, elle m'a demandé de faire un prank à son mec pour faire genre que je sors avec lui. Nanani, nanana. Bref, un commérage, voilà. Laisse tomber. Moi, j'ai refusé. Du coup, là, il veut me parler. Mais du coup, Wassim, tu vas venir avec moi. Comme ça, je te la présente et tu te démerdes avec. Ah, ok, merci beaucoup. On se tient au courant. Si jamais t'es recruté, j'attends que tu reçois ta paye pour que tu me payes. Oh putain, non, cache-moi, je la connais. Je te cache. La meuf que là, je la connaissais, elle était en France avec moi, elle bossait pour moi. Putain de merde. T'étais quelqu'un en France, toi? Ouais, je t'ai connu, j'étais patron de cinéma et j'ai pas envie de la croiser maintenant. Waouh. Je suis pas prêt. C'est ta petite amie? Elle voulait me pécho, tu vois. Mais bon. Et pourquoi tu veux pas? Ah non. J'ai pas le temps pour ça pour l'instant. L'argent avant tout. L'argent après les femmes. Les femmes, tu t'amuses un peu, après c'est bon, tu passes à autre chose. Hein. Ça te ralentit après, crois-moi. Je te comprends. Me réponds pas à l'autre là, wesh. Je vais rappeler. Tranquille, t'es pas grave. Mais j'ai rendez-vous avec elle, tu vois. Bon, mon ref, je te tiens au courant de toute façon. Mais de toute façon, la Sarah, elle est plus bizarre, tu vois. Donc t'as rien à perdre. Mais vas-y, Oliver. Vas-y. Et oublie pas ma facture.
Ok les gars, à vous de jouer. Est-ce que LSPD ça peut pas être incroyable? Imaginez-vous, on doit partir à l'académie, passer nos diplômes et tout. Ça peut être incroyable en vrai. Moi je suis ok. Maintenant, à vous de me le dire. Ça coûte rien d'essayer. Ah ouais les gars, attendez. On a oublié de faire quelque chose, on a oublié de regarder notre téléphone. On va se poser. Hop. On va regarder un peu notre téléphone. On n'a pas vu les actualités d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a match ou pas? J'ai demandé à Wassim d'installer WhatsApp. Attends, on va tester. Juste je vais tester WhatsApp avec Wassim. Wesh mon ref, regarde mon ref, on peut envoyer des vocales. Est-ce que tu me reçois? Attends. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, j'ai besoin d'une taxi with a new, s'il vous plaît. Ok, j'arrive dans 2 minutes. D'accord. À tout de suite. Ok, on va aller au Weasel News. On fait toujours une petite course. Et après, on va aller récupérer notre paye. Et la Sarah, là, elle donne plus de nouvelles. Je sais pas pourquoi. Attends, il m'a envoyé un vocal. C'est ça? Comment ça, c'est ça? Toi aussi. Hey, qu'est-ce que tu fais, mon ref? Ouais, mon frérot. J'espère que tu reçois mon vocal. C'est juste pour te dire que là, j'ai pas entendu ton vocal. Je sais pas pourquoi. Ok, moi, j'ai bien reçu ton vocal. Bah voilà, c'était juste voilà pour tester le vocal, quoi, tu vois. Vas-y, dis-moi si tu me reçois. Les gars, c'est incroyable. On va aller vite, Weasel News. Là, les gars, premier objectif, les frères. Pour l'instant, on vise pas tout de suite la voiture. Parce que normalement, on devait acheter une voiture. On n'achète pas tout de suite la voiture. Le premier objectif, c'est louer une petite maison. En plus, il y a un système de niveau dev. La maison, tu peux l'aménager comme tu veux. C'est comme les Sims. Tu peux faire les Sims dans ta maison. Bon, ça pourrait être incroyable, on achète des meubles et tout, tu vois. D'abord, on s'investit pour avoir de l'argent, pour avoir notre premier logement, quoi. Au moins, on est tranquille, tout simplement. Ah, elle est là! Wesh! C'est quoi ça? Ah, désolé, je vous ai pas vu. Wow. Désolé, j'étais en train de gratter mes fesses sur l'arbre parce que ça me grattait. Ah, t'es un chat ou quoi? Comment ça, j'y suis un chat? C'est les chats qui font ça. Mais non, c'est bien ça, regarde, c'est de la bonne écorce. Mais là, t'as fait un trou dans ta robe, là. J'ai vu que tu me ramènes quelque part, on peut faire la fête. Parce que ce soir, je vais me la mettre. Waouh! Ah ouais, directement, t'as pas le temps, toi. J'ai pas le temps. T'es chaude là. On est à Liberty City en même temps, hein. Faut profiter. Et justement, je monte devant avec toi parce que je suis très sociable. Ah ouais, t'as pas le temps, ouais, vraiment. T'as quel âge? J'ai entre 15 et 30 ans, qu'est-ce que tu préfères, mon chou? Quoi? 15 ans? Non, j'ai dit entre 15 et 30. Ah, après, je te laisse deviner. Alors, dans les 22, à mon avis, non? Bon, bah si tu veux, j'ai 22 ans, ouais, si tu veux. Non, mais dis vraiment. Bah oui, c'est pour toi. Ok. Moi, j'ai 21. D'accord. Bah moi, j'ai 28. Ah, t'as 28. Ah ouais, d'accord. Dans 500 mètres, tournez à droite. Oh ouais, GPS intégré. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai GPS. Je vais l'activer comme ça, je vais aller à l'endroit. Et c'est quoi ton nom? Moi, c'est Cindy la coquine. La coquine? Et la grosse coquine pour les intimes. Ah ouais. Je travaille au Weasel News et je suis journaliste. Ah, mais d'ailleurs, j'ai déjà rencontré le petit vieux là. Ouais. Et ça se passe bien sinon? Franchement, ouais. Mais moi, tu vois, moi j'y vais percé dans la musique. Tu sais chanter? Bien sûr, j'ai chanté, tu veux écouter? Vas-y, fais-moi un exemple, vas-y. C'est Jay. Ah, le centre, je suis sous le pont. Je suis le but d'un gros monde. Je casse les bombes de tout le monde. Je fume du crack, je vis dans le tiers monde. Je kiffe les garçons. J'aime les concombres dans la pénombre. Ah ouais, t'es fort. Que des rimes en haut. T'es bien ou pas? Non, mais t'es une star en fait. Il faut faire quelque chose, il faut faire un concert, putain de merde. Je crois que je vais faire ça, t'as raison. Organise quelque chose, tu connais Sarah. Hein. Sarah, elle m'appelle. Elle est folle. Vas-y, réponds. Regarde. Oh, ça fait depuis 2 heures que je t'appelle, tu sais pas répondre à un téléphone ou quoi? Tu me dis, ouais, donne rendez-vous, donne rendez-vous, mais jamais tu réponds. On devait parler, je te fais rappeler. Viens, on va parler, ok? Mais où est-ce que t'as entendu ça? Eh, bordel de merde, calme-toi. Eh, je vais t'envoyer Cindy sur toi. T'as rien dit sur moi, espèce de gros menteur. Bah, tout à l'heure, t'as déformé tous les propos. Écoute, meuf, calme-toi, donne-moi un rendez-vous, là, donne-moi une position, j'arrive. Ouais, tu vas voir comment je te casse la bouche, toi. Ouais, oh, calme-toi. Non, viens, Unicorn. Ok, allez, salut. Wesh, elle est folle, elle. Vas-y, elle a pété les plombs, je sais pas, elle a dit, ouais, qu'est-ce que t'as, toi? Tout le monde me fait passer pour une pute, hein, ouais, j'en ai marre, moi. On me dit, ouais, une réputation de merde, parce que je drague toutes les mecs. Bah, en plus, c'est vrai, hein, tu vois, il drague toutes les mecs. C'est une pute. Voilà, c'est une pute. Si tout le monde le dit. C'est une pute pas assumée, en tout cas. Bah, moi, je suis une pute assumée. Toi, t'assumes, toi. Vas-y, viens. Attends, je vais activer ton GPS dans 500 mètres. Fais-moi du sale. Quoi? Oh, ouais, tu regardes des trucs chiants sur ton GPS. Non, non, non. Oh putain, attends, désactive ça. C'est bougie. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Ouais, si ça se voit avec ta tête. Tu veux devenir keuf juste pour avoir les menottes et jouer avec ta copine. Non, mais comment tu sais tout ça? Je le vois dans tes yeux. Ouais, écoute, j'avais une copine à l'époque. Elle était un peu folle aussi. Et... on n'a jamais conclu. Ah, elle t'appelle encore la folle. Non, c'est une autre, ça. Parce que je suis taxi, laisse tomber. Putain, mais t'en as combien, mon pote? Oui, bonjour. Vous avez besoin d'un taxi? Oh, 228. Ok, je regarde ça alors, vas-y. 228. On va aller après. D'ailleurs, Cindy, avant que tu pars, vas-y, il faut que je te fasse la facture pour le taxi. Comment ça, avant que j'y pars? Je vais aller dans ton coffre, mon pote. Tu veux vraiment faire le GPS? Vas-y, ouais, viens, on fait le GPS. Vas-y, on va se marrer, vas-y.
Mais elle est folle cette meuf. Rire un peu, là. Mais c'est toi qui fais le GPS en fait alors. Mais bien sûr que c'est moi. Comment tu fais ça? Fais-moi un exemple après. Comment tu t'appelles? Moi c'est Oliver Winters. Impressionne-moi quand on arrive avec le client, ok? Écoute, on va aller au 228, on va récupérer le monsieur là. Les gars, la meuf elle fait GPS, wesh. Bonjour monsieur. Bonjour. Entrez, bienvenue à vous. Merci. Faites pas attention, y'a personne dans la voiture. Veuillez indiquer votre destination. Vanilla Unicorn. Ah ben Sarah est là-bas. Non, vite hein. Ok, on va aller là-bas. Vous êtes un petit coquin. Non, attends. Désolé, mon GPS il bug un peu. Pourquoi vous allez à l'Unicorn, monsieur? C'est pour faire plaisir un peu. C'est quoi le plaisir? Bah, vous allez à l'Unicorn, c'est pour ça. Plein d'œil. Non, moi, je vais rejoindre un ami à moi qui est là-bas. Ah ouais? Bah, c'est cool. Fais-moi du sale. Vous aimez bien mon GPS? Dans 500 mètres, rentre-moi ta clé USB. Attendez. C'est un quoi, peu cassé. Une clé USB? Non, mais c'est rien. Oui, encore. Wow, stop, GPS. Non, mais c'est une petite coquine, ma GPS. Vous faites pas attention. D'accord. Voulez-vous de la musique? Quoi, la musique? Votre client est un cassos. C'est quoi, c'est un cassos? Haha. Non, c'est rien. Excusez-moi, le GPS l'a un peu bugué. Faut que je fasse la mise à jour. Je vais mettre de la musique pour faire la grosse mala. Les gars, elle est trop forte. C'est elle fait avec sa voix. C'est bon, vous sentez bien, monsieur? Ok, on est arrivé. Veuillez payer la facture de 990$. Hein? Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça la facture. Je vais vous faire la facture, venez. Ça va, vous avez passé un bon moment? Vous êtes un peu sale, oui. Qu'est-ce que vous travaillez à éboueur? Il a oublié d'aller chez le coiffeur. De quoi c'est un coiffeur? Mais comment ça c'est quoi? Je crois qu'il a pris de la drogue. Je prends pas de drogue. Numéro d'urgence, appelez la police. J'en peux plus les gars, elle est trop forte. Je suis choqué, comment elle fait cette voix? Voilà. Il y a un homme qui court vers vous. Allez, viens avec moi Sarah, on va parler. Je t'ai fait la facture. Ouais, viens, monte dans la voiture, vas-y. Veuillez monter dans la voiture. Bon, allez, merci monsieur, au revoir. Mettez votre ceinture, tu comprends pas? Commence pas monsieur, je suis derrière toi, si tu veux pas que je te prenne par le cou là. Eh déjà, mettez votre ceinture. Elle est mise ma ceinture. Serrez votre ceinture. Plus fort. Encore. GPS, tu t'appelles comment en fait? On a oublié de faire connaissance. Je m'appelle petite coquine. Par contre, j'ai pas ton temps, Oliver, la dépêche. Comment ça, t'as pas mon... Crois-moi, tu vas verrouiller la voiture, GPS. Verrouillage de la voiture. Moi, je dois apprendre les bonnes manières, moi. Attends, on va se garer ici, là. Voilà. Garde-toi ici. Mais c'est vous, t'es malade, toi, on devait parler. Je détends l'atmosphère. Vas-y, descends, on va parler là. Descends, parce qu'il y a de malentendu, mon ref. Non, y'a pas de malentendu. Tu vas te manger une tarte et tu vas voir ce que c'est la vie. Mais comment ça, je vais me manger une tarte? J'arrive, GPS.